personnes. Alors que là, deux coureurs en tout cas de la promotion
savait les compositions des groupes. Après les écarts, on n'avait pas trop d'infos, mais on savait que au loin on les voyait plus trop, on les voyait juste quand on avait des grands bouts droits, donc on savait que la marge était bonne. Thank you.
Chercher les échappées. Après, ça s'est fait vraiment à la pédale sur une partie non abritée. Il y a eu un gros coup de gaz et c'est parti à 27 dans un premier temps. Et puis ensuite, Benoît Poilvin est parti en solo à l'entrée du circuit. Et ça s'est fait bizarrement. Après, sur le circuit, notre compte, ça s'est fait juste en haut de la descente là. Ça s'est très très bien organisé. On était des coureurs quand même relativement expérimentés, puis en forme. En ce moment, donc ça s'est fait logiquement, s'est échappé, on s'est tout de suite bien entendu, puis on a grappillé petit à petit l'écart sur Poitvin, on est rentré sur Poitvin et ensuite on s'est vraiment très très bien organisé. Et c'est vrai que dans le dernier tour, quand Brian est rentré, ça a mis un petit peu le doute dans la tête de tout le monde et bon ça roulait beaucoup moins bien. Et bon, après du coup, moi personnellement, je vais essayer de faire un petit peu les Vendées U. Le cyclocross, il y a du talent. Jérémy,
Prends en place, Brian. C'est bien, Fabien. Il y a Boris, qui a de bonnes racines à Plouvelec, ancien chenat. Il est pour l'arrivée également d'Alexis Baudieu. Alexis Baudieu, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Normandie. L'arrivée également du concurrent Fabrice Seigneur, très brillant hier sur les hauteurs de Tressillon avec l'épée des Pyrénées. Voilà l'arme de terre qui en termine avec Romain Leroux, troisième et quand même meilleur grimpeur de la journée et du comité des fêtes. Premier donc combo pour le meilleur grimpeur. Troisième, Romain Leroux. Et en deuxième position, battu d'un point seulement. Il s'agit de Benoît Poitras, qui est deuxième grimpeur.